Salut, c'est Megadriver 16 pour la suite de mon Tour de France 2016 sur le jeu éponyme. Et on se retrouve avec mon équipe, la Dimension Data, avec laquelle je suis à la chasse aux victoires d'étape sur ce Tour de France. On en est à peu près à la moitié, à l'étape 10. On a 7 victoires d'étape hein, sur 9 disputées pour le moment, donc c'est plutôt bien. Avec 2 pour le CAF, bien sûr, 2 pour Cummings, 1 pour Igor Anton, la dernière en date à Arcalis, 1 pour Boassanagen et 1 pour Serge Powells, je pense, si je ne m'abuse, qui lui-même est en tête du maillot à points, tandis que Cavendish est leader du maillot vert. Voilà un petit peu pour l'état des lieux et les objectifs, hein, toujours donc essayer de remporter un maximum de victoires d'étape et remporter le maillot vert. On est très bien engagé, comme je le disais précédemment, avec Mark Cavendish, pas mal d'avance sur nous poursuivants. Le maillot à poids, on est devant, mais là par contre, c'est plus serré, bien évidemment, avec Serge Poels, mon grimpeur belge. Ici, il ne va pas s'agir de maillot à poids, quoique là, il y a une petite col qui m'intéresse bien là, au début de cette étape de Revel. Après, on verra comment ça se goupille pour la suite. On aura ensuite l'étape de Montpellier et on finira avec le terrible Mont Ventoux sur cette vidéo de 3 étapes format classique que je vous propose sur ce tour d'Imagine Data. On se retrouve tout de suite pour les états de forme de cette étape numéro 10 de Revel. Que du normal à signaler pour le moment. Cavendish conserver le maillot vert, finir dans les 5 premiers de l'étape pour Boassanagen, d'accord. Bon, j'ai pas d'état de forme particulièrement bon. C'est pour ça que je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Oui, ça c'est la bonne question. J'ai bien envie d'essayer d'envoyer quand même mon grimpeur belge dans l'échappée, tout du moins pour marquer les premiers points. Et alors est-ce que Boassanagen pourrait pas essayer de l'accompagner? 69 en montagne, il faut voir. Ce ne sont pas des dangers les deux pour le classement général, hein, bien sûr. Bonjour à tous. Même si la présence du port d'Envalira dès le départ devrait mettre à mal la plupart des sprinteurs, on imagine que leurs équipes feront tout pour provoquer un regroupement général en vue d'une arrivée massive dans les rues de Revel, le reste de l'étape étant sans difficulté. Ouais. Allez, à côté du maillot jaune Valverde, et juste devant Froome. Allez, on lance. L'étape est importante pour le classement par points. Je compte sur vous pour faire le plein et conserver le maillot vert. Oui, bon, d'accord, le maillot vert, c'est une chose, mais ici, il y a quand même 10 points d'abord à espérer engranger. Allez tout de suite. Et ça contre tout de suite à l'arrière. Puisque ça contre tout de suite, prenons notre champion de Norvège, Eldad Boassanagen. Tentative de contre. Allez, mon petit, il faut que tu rejoignes la tentative de contre si en plus le peloton laisse partir. On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. Allez, on fait l'effort pour rejoindre ce groupe. Attention, on va se mettre dans le rouge. La montée du port d'Envalira est longue, mais la pente est régulière. Cependant, il faudra quand même être un minimum grimpeur pour sortir du peloton et se glisser dans l'échappée matinale. Les hommes de tête creusent l'écart, mais ils ne sont pas dangereux pour le classement général. Allez, on va demander tout de suite à Poels de m'attendre. Voilà, non pas Cavendish, Boassanagen plutôt. Et essayer de faire un regroupement donc en tête de course. On a vu à Jérémy Roy aussi avec nous. Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Ouais. Allez, Boassanagen qui va se mettre dans le premier groupe là. Ça va être la jonction imminente. Elmiger et donc Roy, on a vu. Il est où? Eh ben, Poels, là, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de m'attendre, mais de venir quand même. Allez, mon grand, tu vas tout faire pour remonter. Tandis qu'on a un peloton qui laisse pas vraiment totalement filer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Allez, là, faut batailler hein, pour revenir. S'il veut prendre des points pour le maillot vert, il doit s'échapper. Parce que, bon, Elmiger et Roy, ce ne sont pas non plus des énormes grimpeurs, mais quand même. Là, c'est quand même chiant hein, ce qui m'est arrivé en demandant à Poels d'attendre Edvard Boassanagen. C'est tout bon pour nous, vu qu'on a un gars devant. Eh bien, il
Je sais pas pourquoi. Normalement, quand il l'attend et quand ils se rejoignent, il roule, hein, le gars à qui on a demandé d'attendre. Mais là, il s'est laissé décramponner, Serge Poels. C'est chiant. Le peloton, une 22, ouais. Est un coureur polyvalent, un bon rouleur, un bon sprinter et aussi également à l'aise dans les côtes. C'est un adversaire difficile à manœuvrer. Bon, alors, Bassenhagen, tu vas... Ah non, qu'est-ce qu'il fout, là? Tempo. Qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais pas lui demander d'attendre, quand même. Allez, sans à-coups. Ok, ne fais pas d'efforts violents. Ouais, pas d'efforts violents, et surtout, ne les relaye pas, hein, les gars. Bon, bah écoutez, on va essayer de revenir. C'est loin d'être gagné, hein. J'ai quand même du bleu à utiliser éventuellement. Mais devant là, Elmiger et Roy, ils vont vraiment comme des bourrins. Il est en train de se faire lâcher. Oh là 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 là. C'est chaud cette histoire. Et Bassenhagen, comme je lui ai demandé de pas forcer. Eh bien, il s'est fait décramponner un petit peu. Allez Serge, il faut revenir là sur ce groupe devant. On n'en est plus très loin, mais ce qu'il y a c'est que on n'en est plus très loin, mais on n'a plus beaucoup voilà de bleu non plus. Attention à ne pas le laisser. Allez arrêtez les gars là, Roy et Elmiger, ils sont cons quoi. On travaillera mieux si on est ensemble. Et ça ils ont pas l'air de l'entendre. Hein. Et même avec l'aide de Chavanel, ça vous ferait du bien, hein, les gars. C'est de tenter une échappée de loin. Et Bassenhagen. Et Bassenhagen, le con. Bien sûr, hein, je lui ai demandé de... De pas forcer, donc voilà, j'aurais dû lui demander de me protéger quand on est arrivé à son niveau. Ah, mais merde, j'avais pas vu que j'étais en défaillance. Bon, bah écoutez, là, c'est la grosse galère. Grosse galère à force de gérer les trucs, et ben voilà, j'en ai oublié que j'étais en défaillance. Bon ben on va se retrouver au sommet. Ou même plus loin d'ailleurs, puisque je pense qu'on pourra rien marquer avec lui, hein, on va voir ça. Et je reprends la main alors qu'on avait réussi à renouer contact avec Serge Poel sur les autres là devant. Ceux qui roulaient comme des débiles depuis tout à l'heure, mais on n'a plus d'énergie bleue donc. Il pourra jouer sa carte. J'ai beau avoir Bassenhagen dans le groupe là. Les 6 premiers coureurs au sommet empocheront des points pour le classement. Eh bien, on va pas pouvoir avoir beaucoup de points, c'est sûr. Un point à marquer. On va peut-être marquer un point. Et encore. Ah, vraiment, ils m'ont fait chier là, à rouler comme ça, les gars. N'importe quoi. Hop là, attention. Bassenhagen, tu décroches. Tu décroches parce que là, tu me laisses quand même marquer les points. Et après, il s'occupera de Bassenhagen de revenir sur l'échappée. Mais dans un premier temps, on va laisser Serge Poels prendre quelques points ici au grimpeur. Deux a priori. Hein. Attention, bientôt la défaillance. On va marquer deux points peut-être. Voilà, deux points maintenant tout de suite, c'est quand même une mauvaise moisson, hein, puisque c'est complètement nul. C'est mieux que zéro, hein, mais ça en est pas loin. Maintenant, Edvard Bassenhagen qui va tout faire pour rejoindre les compagnons de devant. Et alors là, si elle va au bout, on leur fera pas de pitié, hein, parce qu'il y a une petite revanche à prendre pour la Dimension Data. Comment qu'ils nous l'ont joué là? Des bourrins devant, alors qu'on aurait pu travailler ensemble. Allez, maintenant, mon petit Poels, tu vas... Ben voilà, tu vas ne pas t'accrocher, hein. Ça sert à rien. T'as fait ton boulot, ce que tu pouvais, en tout cas. Alors qu'on visait 10 points, on en a pris que 2, mais bon. Allez, Edvard Bassenhagen qui va récupérer, normalement, si tout se passe bien, l'échapper devant, et puis on verra bien si ça prend du temps par rapport au peloton. On va bientôt passer la frontière, on va bientôt récupérer les gars, je les vois, je les distingue devant.
tête creusent l'écart, mais ils ne sont pas dangereux pour le classement général. Allez les gars, on va passer à la frontière. Salut, moi je me barre. Hein. Je vous attends pas, je vous fais bien comprendre que vous nous avez fait chier tout à l'heure. Le parcours est pas vraiment favorable à une échappée en solitaire. Tu devrais peut-être attendre le contre pour unir vos forces. Oui, oui, mais moi je m'appelle Ed Balbasanagan, donc rien à foutre des compagnons d'échappée. C'est un énorme rouleur. Alors, de toute façon, quand je vais simuler, ils vont revenir, hein, bien évidemment. Mais bon, là, c'était pour leur montrer qu'on faisait notre mauvaise tête. Allez, on va carrément demander, avant de simuler, de demander donc à Serge Poels d'attendre le peloton. Pour vraiment qu'il ne se fatigue absolument pas. Et sur ce, je vous propose de vous retrouver peut-être au sprint intermédiaire, on va voir, avec Cavendish. Marc Cavendish dans le peloton, 5 minutes derrière le groupe Edvard Bassanagan devant. On arrive au sprint intermédiaire, on va essayer de prendre le dessus pour les 10 points qui restent à prendre, là, le dessus sur nos concurrents directs. On est un petit peu trop à l'avant hein, dans l'absolu, mais bon, tiens, Coquart, on le connaît bien, il aime bien faire ses démarrages là. Oups, j'ai un peu coupé la route sans faire exprès de Greipel. Allez mon gars. Oh, j'ai fait quoi? Chavanel, Greipel devant nous, Cavendish, Coquart. Bon, c'était dans un mouchoir de poche cette histoire. Bon, d'ailleurs, Greipel, il est où au classement de ce maillot vert? Clac-clac, Cavendish, Coquart, Sagan, Greipel. Ouais, il est loin. Bon, ben on a pris le dessus sur Coquart et Sagan, nos deux poursuivants directs, c'est déjà ça. Maintenant, retour avec Elval Boasanagan dans l'échappée du jour. Rien n'est encore déterminé, hein. 3 minutes 59, enfin 4 minutes à 75 km de l'arrivée. On ne peut pas dire que ce soit énorme, loin de là. Et ça laisse pour le moment peu d'espoir aux échappées du jour, mais bon. On va se battre, on va continuer notre effort et puis se retrouver dans le final. Et c'est le final, vers Revel. 17 km de l'arrivée, une échappée qui a 2 minutes à peu près d'avance. On se relaye, bon, on a mis notre petite rancœur de côté pour le moment, avec Edvard Boasanagan. On roule avec les compagnons d'échappée. Allez, on laisse passer le relais à Jérémy Roy. D'ailleurs, c'est plus qu'un relais là qui nous fait, c'est carrément une attaque. Bon, 14 km de l'arrivée, franchement, ça peut être jouable. Du côté de l'équipe, j'ai demandé à tout le monde de finir tranquille, sauf à Cavendish quand même, il doit se mêler au sprint du peloton. Bien évidemment, surtout si le peloton revient sur les échappés. Donc, il aura son mot à dire, accompagné par ses deux lieutenants du sprint, Rencho et Hazel. Mais là, on fait le boulot et d'ailleurs, ça va payer puisque regardez, on vient de reprendre du temps au peloton. Tiens, il y en a un qui craque là. Il a fait une attaque? Non, c'est Jérémy Roy. Commence à avoir du mal à suivre, regardez, quelques mètres d'écart. Ça va être dur pour lui, hein. Et ça t'apprendra à pas avoir voulu nous attendre au début de l'étape, mon gars. Nous sommes à 10 km de l'arrivée pour la tête de la course. Il ne reste plus que la côte de Saint-Féréol pour tenter de faire la différence. Donc on va prendre notre ravitaillement de bleu à ce moment-là, 9 km de l'arrivée. Oh là, Elmiger, il attaque, là. Ouais. Nous sommes au pied de la courbe. Les sprinteurs arriveront-ils à rester aux avant-postes pour disputer ensuite le sprint final? Là, les gars, à mon avis, ils s'épuisent comme des bourrins à faire ça, là, à monter comme des débiles. Tiens, Jérémy Roy, ça t'apprendra. Voilà. Ça, c'était l'image que je voulais voir. À l'agonie, mon gars, dans le final. Toi, Elmiger, t'as fait partie aussi de ceux qui m'ont bien fait chier tout à l'heure. Cela reste anecdotique. Allez, je prends ta roue, tranquillou. Chavanel, il a du mal, Zinman aussi. Il lance le sprint pour le grimpeur. Ouais, mais écoute, on va te le faire, ça t'apprendra, tiens. Voilà,
juste pour passer devant, on joue avec toi mon gars, parce qu'on est 10 fois plus fort et que de toute façon on va arriver avant le peloton, hein, ça c'est quasiment sûr. Je pense que faudra pas que je prenne la main avec Cavendish, parce que le temps de prendre la main avec lui, une fois qu'on aura franchi la ligne avec Bassenhagen, enfin juste avant, j'ai peur qu'on soit vraiment trop près de l'arrivée. Donc bah, le peloton revient bien en plus là. J'espère que Cavendish va pouvoir bien se débrouiller seul. On a quand même une bonne marge d'avance hein, au maillot vert, mais bon. Allez, Elval Bassenhagen, maintenant faut se concentrer hein, parce que sur le papier, on a beau être le plus fort là de cette échappée. Je voudrais quand même rester concentré et pouvoir s'offrir une deuxième victoire d'étape avec mon Norvégien. Allez, on reste devant. Ça risque de provoquer des cassures. Ah, il y a une chute derrière, d'accord. Allez, là, c'est le moment tendu. Qu'est-ce qu'il va faire, Edmiger, là? Il va tenter le truc, hein. Ah, il tente, mais il va pas avoir la force, hein. Allez, on va lui montrer qu'on est le plus fort avec Bassenhagen. Voilà la victoire d'étape du Norvégien devant Edmiger, qui n'était pas à l'agonie non plus, mais quand même pas au mieux. Et on s'est imposé logiquement, on était le plus fort de cette échappée. Sur le podium, applaudissez-le, voici le vainqueur de l'étape, escale en Gordanie, Revel. Pour son deuxième bouquet personnel. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Et oui, avec un petit goût de vengeance par rapport à ses compagnons d'échappée qui ont mis à mal Serge Poels au début. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Et oui, le cave, il le conserve, ça on le savait, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a fait au sprint du peloton. Espérons que se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On va voir tout de suite hein, dans les classements ce qu'il a fait. D'abord, on va passer par le maillot à poids. On ne l'a pas perdu, hein, bien évidemment, avec Serge Poels, même si ça a été dur. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Bien sûr, c'est pas de le conserver qui était dur, mais de marquer des Espérons petits points. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Des petits points dans ce premier col, parce que ça a été dur hein, de rester dans cette échappée. On l'a vécu ensemble. Alors, Bassenhagen qui s'impose devant Elmiger en excellente forme. On a Lindman à 57 secondes. Degenkolb qui règle le sprint du peloton dans le même temps que Lindman. Et juste à la deuxième place du sprint du peloton, on a Cavendish. Donc ça, c'est très très bien par rapport au maillot vert. Il marque des points, il engrange des points. Si on regarde le maillot à poids, on a pris 2 points aujourd'hui avec Poels. J'aurais bien aimé plus, mais bon, il faut dire qu'il était aussi en mauvaise forme. Donc au général, toujours Valverde devant Bardet et Mollema. Le maillot à poids, ben, on prend 2 petits points supplémentaires. Bon, ok. Le maillot vert, on engrange. Et puis tiens, Bassenhagen, voilà, il prend la deuxième place de ce classement maillot vert devant Cocard et Sagan quand même. Hein. Sympa, sympa, sympa. Allez, Barguil maillot blanc, la Sky meilleure équipe, la combativité Poels. Maintenant, on va s'attaquer à l'étape de Montauban, si je ne m'abuse. On va voir un petit peu. Là, je regarde la récup, c'est pas mal. Montauban, Montpellier, qu'est-ce que je dis ? Montpellier avec le très beau coup dans la réalité de Peter Sagan et de Christopher Froome. Ici, on va voir ce qu'il est possible de faire, surtout avec les états de forme qu'on va nous présenter. Je verrais bien un Renshaw ou un Heysel tenter sa chance en échapper là, sur cette étape. Bon alors, ça nous dit quoi ? Encore des états de forme normaux. Renshaw et Heysel, ils sont aussi bah, comme tout le monde. Avec un état de forme normal, c'est dommage, j'ai plutôt des grimpeurs là, ou punchers qui sont en état de forme au-dessus de la moyenne. Donc, lequel va être le mieux entre Renshaw et Heysel ? Ah, sur le plat, il est meilleur quand même, Heysel, il est plus polyvalent, donc comme sa catégorie de coureur l'indique d'ailleurs. C'est surtout grâce à sa note au pavé, mais bon. En sprint, il est moins fort, hein, oui, carrément moins fort que Renshaw, bien sûr. Mais bon, dans le cadre d'une échappée, je pense qu'il peut faire quelque chose. Mesdames et messieurs, bonjour. Les arrivées à Montpellier nous ont souvent habitués à des sprints massifs. Aujourd'hui, compte tenu du profil, il n'y a pas de raison que ça change, même si, bien sûr, des baroudeurs tenteront leur chance. Eh oui, les baroudeurs, et la Dimension Data en possède, on l'a déjà vu avec beaucoup de victoires en échappée.
particulièrement Cummings et d'Albasson again. Et là, un autre va entrer en piste, Hazel qui part, qui normalement est là pour préparer le sprint de son leader Mark Cavendish. Je compte sur vous pour faire le plein et conserver le maillot vert. Mais là, il a sa carte blanche. Il peut y aller aujourd'hui, il va tenter le coup. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Bon, déjà, on peut plus perdre le maillot vert, donc bon. Allez, c'est pas mal, on est parti, le temps défile un petit peu, on va se retrouver plus loin pour voir ce qu'il en est de cette échappée. De retard pour le peloton sur la tête de course. Et oui, Hazel à 10 km de l'arrivée, il est toujours dans l'échappée du jour, mais à quel prix? Regardez, il n'a plus de bleu. On est avec Rast et Martens, et il est chaud quand même. Martens, il est fort, hein. Rast, je sais pas trop. Et de toute façon, le peloton qui a l'air de revenir. 9 km, il y a encore plus d'une minute, mais bon. C'est un coureur qui ils reviennent très fort, j'ai l'impression, ni derrière. Je pense, le ouais, à cette allure-là, et vu le bleu qu'on a, je pense qu'on va prendre l'option sprint massif. Donc, ravitaillement pour Ed Balbassan again, et prise en main avec Mark Cavendish. Edvald, il en a chié quand même, on l'a vu. Bon, hier, il était dans l'échappée, hein, victorieuse d'ailleurs, mais là, on voit qu'il n'avait pas beaucoup de bleu. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Et le peloton, oui, qui clairement va jouer la gagne. Hein. Bonasson again, il a du mal à venir. Je crois qu'on a perdu Rencho, de toute façon, depuis un petit moment aussi. Avance pour la tête de course. Allez, Edvald, il est où? Ah, je le vois même pas, là, derrière, hein. On va devoir se débrouiller seul. 5 km pour l'échapper, ça va être chaud pour la victoire d'étape. 5 km de l'arrivée, c'est très sinueux, hein, cette arrivée à Montpellier. Je trouve, je me rappelais pas trop. Oh, comme ils attaquent fort là. Ah ouais. Ah ouais, quand même, hein. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Le temps groupé. Ah bah, peloton groupé, voilà, ça va peut-être se calmer un peu. De Bûcher qui emmène Greipel. Et alors là, il roule comme des débiles, hein, les gars. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Quoi, Sanagan, il est pas là, hein, Non, je crois pas. Et pourquoi ça se calme, là, Greipel, qu'est-ce que tu fous? 1,8 km. Matthews. Allez, on est dans les roues, là. On est dans les roues. Cavendish. Allez, il y a qui, là? Il y a Bouani, il y a Greipel. Greipel qui est très fort, mais non. On s'impose une nouvelle fois juste devant Greg Van Avermaet, je crois. D'arriver en tête il y a quelques minutes, voici le vainqueur de l'étape, Carcassonne, Montpellier. Troisième bouquet pour le Cave. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Eh oui, il fut pas évident ce sprint encore une fois, mais bon, je crois qu'on s'en tire, enfin c'est sûr, on s'en tire vainqueur. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Ouais, on va passer relativement rapidement. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Et Serge Poels qui garde son maillot à poids peut-être pour la dernière étape avant. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Mark Cavendish victorieux donc ici à Revel devant un Greg Van Avermaet. Oh, en bonne forme, pourquoi je dis oh. Degenkolb en mauvaise forme qui réussit quand même à accrocher le podium. Une troisième place, c'est fort. Hein, devant Peter Sagan, Greipel, Cocard. C'est bon ça pour le maillot vert, hein. Une dixième place pour Sam Dumoulin, ok. Et donc ça nous donne, eh bien, pas de changement, on accroît notre avance au maillot vert qui sent de mieux en mieux. Hein. On est à 3 victoires maintenant, plus qu'une pour faire aussi bien que Mark Cavendish dans la réalité d'ailleurs. Et donc ça va faire un peu de récup, j'espère que tous mes grimpeurs là ont bien récupéré parce que je les avais mis, ils étaient à 40 km hein, quand on a franchi la ligne avec Cavendish, donc ils ont pas mal récupéré tout cela, c'est bien.
Donc on va pouvoir aller affronter pour la dernière étape de cette vidéo le terrible Mont Ventoux et voir ce qui va être possible d'envisager avec notre équipe et nos grimpeurs. Alors, des grimpeurs et des punchers dans les états de forme de cette étape du Ventoux. Ah, Cudus, dommage, j'aurais bien aimé éventuellement essayer de jouer sa carte avec son 76 en montagne pour du one-shot, pour une étape comme ça, qui pouvait éventuellement s'y prêter, mais bon, il est en mauvaise forme. Donc il y a Siu Tzu avec son 77 en montagne. Ça me plaît bien, ça. 77 en montagne, avec un excellent état de forme, ça peut peut-être faire un 78. On a Cummings, hein, qui est bien meilleur d'ailleurs en endurance et en résistance, je crois. Ouais. Il est bien meilleur que Siu Tzu, mais j'aimerais bien aussi essayer de faire gagner d'autres coureurs. Bon, je fais peut-être une erreur hein, stratégique, mais on va essayer, on va tenter le coup avec Siu Tzu. De toute façon, rien ne nous dit que l'échappée ira au bout. Bonjour à tous. Avec le Mont Ventoux en guise d'ascension finale, l'étape est forcément promise à un grimpeur de talent. Ouais, forcément. Donc, l'ancien coureur de la Sky, qui va essayer de se faufiler. Déjà, c'est dur de se faufiler. Quand on part pas avec un maillot distinctif ou un très bon classement général, on est assez loin. C'est le cas, là, il faut essayer de passer. Eva de Bassenagan devant nous, elle a Philippe à nos côtés. Allez, s'il vous plaît. C'est bon, les gars. On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. J'ai Cummings devant, là, je le vois pas pourtant. Ah, si. Ah, on nous barre la route, là. Il risque d'y avoir une échappée qui part sur les côtés sans qu'on puisse intervenir. Allez, poussez-vous. Warren Barguil, oh, ça y est, on est en première ligne, quasiment. Ce qu'il y a, c'est que là, il se resserre complètement. Regardez-moi ça, c'est sur la gauche que ça se libère, on dirait. Poussez-vous. Allez, ce dessus, c'est parti. On a trouvé une petite ouverture, on la tente. On n'est pas tout seul à la tenter. Forcément, ce genre d'étape mythique, ça réveille des ambitions hein, de pas mal de baroudeurs qui se disent « et pourquoi pas ?» Donc nous, on a lancé le truc là, on a deux coureurs derrière nous qui vont peut-être nous rejoindre. Curvers et Moinard, d'accord, bon. Tandis qu'on va bientôt arriver à une minute d'écart avec le peloton. Ça me semble pas mal, on va se retrouver plus loin. Et le terrible Mont Chauve qui se présente à nous. Siu Tzu avec Moinard dans l'échappée, les autres n'ont pas tenu le coup. Mais surtout, regardez-moi cet écart que l'on voit apparaître en haut du tableau de bord là. 16 minutes 37 avec le peloton maillot jaune. Alors là, autant vous dire que l'échappée, elle a de très très grandes chances, même c'est sûr. Hein. Ils vont aller au bout. C'est rare, j'ai l'impression d'ailleurs, hein, sur le Mont Ventoux, mais bon, je sais pas là ce qui s'est passé parmi les favoris. En tout cas, là, c'est vraiment une très bonne opportunité parce qu'un Siu Tzu en mode extrêmement fort, enfin en excellente forme, pardon, eh bien je pense qu'il peut largement tenter la victoire face à Moinard. Surtout que Moinard, pendant le col de catégorie 2 qui précède la seule difficulté avant le Ventoux, eh bien, il a été un peu en difficulté à un moment, donc je pense qu'il va avoir du mal à tenir le coup face à... Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps. Face à mon Siu Tzu, que j'ai bien fait de prendre finalement, je suis content. À l'arrière, j'ai demandé à tous mes coureurs d'ailleurs de finir tranquille, hein, se préserver pour les autres étapes. Un équipier vient de se faire lâcher, ne comptez plus sur lui. Et on en a un exemple tout de suite avec Cudus qui se fait lâcher. Et c'est normal, hein. Je veux qu'il se préserve, là on ne joue pas le général, le maillot à poids, Serge Poels, il pourra pas envisager de marquer des points en haut du Ventoux. Les autres sont, il y a quand même beaucoup de favoris qui vont se tirer la bourre dans le final, et il pourra pas faire partie de ceux qui grappillent des points malheureusement. Mais en tout cas, Siu Tzu, lui, va en grappiller plus que ça même, hein, parce qu'il va même prendre beaucoup de points avec cette ascension hors catégorie, les points doublés au final. Bon, pour le moment, on se contente de suivre Moinard et je vous retrouve un petit peu plus loin, probablement pour le final, allez, on va dire les 5 derniers kilomètres, où on va essayer de faire mal à Moinard s'il s'est pas écroulé avant. Alors, 9 km de l'arrivée,
Le peloton qui revient fort hein, avec son initiative de Pinot, de Bardet. Et moi, avec Moinard, on n'avance pas beaucoup. Hein. J'avais décidé de rester avec lui, mais là, ça ne va pas être possible. Là. Regardez, il a déjà donné quelques signes de faiblesse. Je sens que Moinard, là, on va le déposer. D'ailleurs, au train, puisque là, il perd quelques mètres. Je pense qu'il va les perdre définitivement. Allez, pour le coup, on va enfoncer le clou. On va lui faire mal à la tête avec une petite attaque en danseuse de Sutsu. Du classement du meilleur jeune. À 7,8 km de l'arrivée, tandis que derrière, ça s'explique. Hein. Regardez Froome qui est passé à l'offensive. Pinot, Bardet sont derrière lui. Qu'est-ce qu'il dit là, notre Moinard? Moinard, il a craqué, forcément. L'attaque, elle lui a fait mal. L'attaque de Sutsu, ben écoutez, là je pense qu'on va se retrouver dans le final avec ce qui semble se présager, c'est un nouveau triplé que je vais vous proposer. 3 victoires d'étape sur cette vidéo en 3 étapes. Je le sens bien comme ça à présent. Ça va être un peu moins dur pour eux pendant 1 km. Le temps peut-être de reprendre son souffle avant d'affronter les dernières pentes toujours plus raides du Mont Ventoux. Et oui, alors qu'on arrive au Chalet Reynard et un Froome à 5,27, mais bon, à 6 km de l'arrivée, je pense qu'on a quand même le temps de voir venir. Bon, d'un autre côté, on va les faire ensemble. Il reste 5 km, un monde de folie dans ce Ventoux. Bardet qui prend la tête du général virtuel. Oui, c'est Valverde qui est en tête normalement. Allez, on va baisser un petit peu le rythme. Le Ventoux est bien sûr classé hors catégorie. Et comme c'est une arrivée au sommet, le vainqueur de l'étape marquera pas moins de 50 points supplémentaires pour le maillot à pois puisque les points sont doublés. Eh bien, c'est parfait. Allez, on remet la caméra un petit peu plus près du coureur. Alors qu'on va bientôt être dans le rouge, ça y est, on y est. Donc on va être obligé de prendre notre ravitaillement. Froome à 5 minutes 34, il est en train de faire un grand coup, hein, le Britannique on dirait. Même si Pinot et Bardet sont pas très loin. Hein. Allez, on a pris tout notre ravitaillement. On va se diriger tranquillement vers la victoire. Moinard, je sais pas, est-ce qu'il pourra s'intercaler? Ce serait bien quand même que Moinard il puisse arriver pour le maillot à points, hein, devant Froome, Pinot et tout ça, et Bardet. En tout cas, nous, on le voit là. On voit l'observatoire du Mont Ventoux. C'est beau. Une belle image mythique. Avec un Sutsu qui s'avance en vainqueur. Allez, encore 3 km d'effort pour l'homme de tête. Eh oui, 3 km d'effort, mais de bonheur là. Bon, de l'effort, c'est sûr, hein, il en faut. C'est d'ailleurs vraiment un col que j'aimerais bien faire dans la réalité. Un terrible challenge, hein, bien sûr. Avec les cyclos que je vous avais déjà proposés dans les Pyrénées, entre l'Ariégeoise ou la Casartelli, où j'avais pu faire entre autres le plateau de Baye ou encore le mur de Péguerre. Et bien ça, bien évidemment, le Ventoux, pour tout amateur, même petit amateur comme moi de cyclisme, ça fait rêver et j'aimerais bien le faire, le tenter un jour. À 2 km du sommet, l'homme de tête semble. Mais bon, reconcentrons-nous sur Sutsu, avec effectivement. Le commentateur qui l'indique bien, il risque très fortement, même c'est sûr à présent, d'inscrire son nom au palmarès des vainqueurs au Mont Ventoux. Ça va être très beau pour l'équipe, ça va nous faire une 11e victoire si je ne m'abuse. Non, peut-être pas d'ailleurs, une 10e victoire. Oui, ça c'est la 12e étape, il nous en manque 2, hein, je crois qu'on n'a pas réussi à avoir. Donc là ça va nous faire notre 10e, hein, un beau chiffre rond quand même. Sympa. Alors que Froome il va fondre sur Moinard. Hein. Moinard il va pas y arriver à 2,3 km. Non, c'est dommage. Bon, d'un autre côté, hein, Moinard lui il s'en fout. Hein. Ce qu'il aurait voulu c'est la victoire. Mais là, il est tombé sur un os qui s'appelait Sutsu. Avec son excellent état de forme. Mon coureur qui va pouvoir enrichir la liste des vainqueurs d'étape pour la team Ancient Data. Pour la team, là. Ça fait plaisir. Il va pouvoir célébrer ça. Allez, on baisse un petit peu le rythme. Et puis vous m'avez dit, hein, quelquefois j'arrivais pas à célébrer, mais c'est parce que j'étais en régulateur. Je suis bien d'accord avec vous, ça doit être ça. Allez, la célébration de victoire pour Sutsu. Oui, c'est beau, on franchit la ligne en tête au sommet du Mont Chauve. Applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Montpellier-Mont Ventoux. Sutsu, au Ventoux.
En bravo plus, ça rime. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Et oui, Xiu Xiu est devant tout, ça rime, c'est parfait, c'est le plus beau jour de sa vie, on va dire. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Oui, avec Mark Cavendish, on n'a rien fait, on n'a même pas joué de sprint intermédiaire. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Mais il a beaucoup d'avance, hein, donc je pense que ce n'est pas très pénalisant. On va regarder d'ailleurs ce qu'il y a eu comme résultat au sprint intermédiaire. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Alors, le maillot à pois toujours sur les épaules de mon grimpeur belge. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Ça sent bon, mais il va devoir s'y employer. Hein. En attendant les Alpes, il y aura déjà Culoz et Finau et Mausson. Donc, bon, il y aura d'autres occasions encore. Et bien voici, avec cette victoire de Xiu Xiu. Devant Froome, hein, 3 minutes 32, qui a fait mal aux autres favoris. Moinard, c'est bien, il s'intercale entre Froome et Richie Porte, qui était en très grande forme aussi. Richie Porte, qui fait quatrième devant Pinot. Eh bien, ça nous fait un nouveau hat-trick ou un nouveau coup du chapeau. Plus simplement, on va dire, une nouvelle vidéo où je vous propose 3 victoires d'étape d'affilée. On engrange pas mal, hein, avec la Dimension Data. Je suis vraiment au-delà de mes espérances avec cette 10e victoire d'étape pour l'équipe. Je comptais faire mieux que dans la réalité avec leurs 5 victoires d'étape. Déjà, ils avaient fait très très fort, bien sûr. Là, ce n'est qu'un jeu, donc on peut aller encore plus loin. Et effectivement, je double le capital de victoires d'étape qu'a engrangé la Dimension Data, alors qu'on n'en est qu'à la 12e étape. Donc, pour le moment, on va voir ce que nous réserve l'avenir, la suite de ce Tour de France. Mais en tout cas, je suis extrêmement satisfait du comportement de mon équipe, la Dimension Data. Et cette belle victoire en plus, mythique au Mont Ventoux, de mon grimpeur Xiu Xiu. Donc c'est parfait. Ça nous donne quoi au niveau... Tiens, je voulais regarder sprint intermédiaire. Sprint intermédiaire. Ah, Cocard, il l'a fait apparemment. Greipel aussi, Sagan. Ah bah ouais, on l'a pas du tout fait. D'ailleurs, pour le coup, Cavendish, il a rien fait. Bon, bah, il est resté tranquille, bien au chaud. Je suppose que ça va pas être très pénalisant pour son classement maillot vert. On va voir ça tout de suite. Bardet, en tout cas, qui prend les commandes 36 secondes devant Froome. Ils ont à nouveau créé un petit écart. Hein. On en a l'habitude maintenant. Face à Nibali, Valverde, etc., etc. Au maillot à poids, eh bien, c'est très bien. On a les deux premières places avec cette histoire-là. Froome, avec sa deuxième place, il est à 45 points. Bardet, tout ça, c'est encore un peu plus loin. C'est bien, ça. Richie Porte, 28. Ah, c'est pas mal, hein, en tout cas. Voilà, Serge Poels, bientôt 100 points au classement de la montagne. Il est pour le moment solidement accroché à ce maillot à poids. N'en parlons pas pour Cavendish, qui même s'il a perdu des points face à ses concurrents aujourd'hui, il compte encore plus de 100 points d'avance sur Cocard et Sagan, ses deux principaux rivaux. Le maillot blanc à la Philippe, qui est passé maillot blanc, oui c'est ça, il a pris une place à Warren Barguil, c'est beau. L'équipe, la Sky en tête, et Serge Poels qui prend la tête, non il était déjà en tête, de la combativité devant de toute façon deux autres de ses coéquipiers, donc on est bien engagé pour la combativité aussi, c'est bien tout ça, on gagne l'étape, ça donne de la récup supplémentaire, et donc c'est sur cette image de mon équipe avec les états de forme pour la prochaine étape, le prochaine étape qui est un chrono d'ailleurs, que je vais vous laisser vous dire à plus tard pour la suite de ce tour avec Dimension Data.